Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Harry Potter Time et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les gens du collège, qu'ils soient sales, pervers, etc. On fait une petite pause. Les gens sales. Oh, deux, trois. Oh, ça pue ma mère. Dégage-toi. Mais c'est pas moi. Fais une tête de pervers. Attends, tu sais que H2B est égal à 3 racine au carré, bah oui, qui est égal à V, qui est égal à M3Z, et le nouveau livre des mathématiques, c'est super. Allez, on Mais je te l'ai dit, tu savais que l'hémisphère nord, il se trouvait au nord. Ah bon? Ah non, il se trouve à l'est en fait. En fait, l'hémisphère nord est H2B, Z, K, racine carré, 3Z, O de notre planète. Je sais, mais en fait, ce que je comprends, c'est que deux orateurs se sont opposés à Cléon, qui propose à deux punir l'ensemble de la population de Mytilène, même les enfants, et Diodote propose à deux punir juste les gens qui ont fait du mal, et après ils laissent libre les autres. Oui, c'est très sympa, vraiment. Mais c'est sûr, parce que plus vu que la racine carrée de la population est égale à pi 3 au carré de la vie, c'est normal, bien évidemment, oui. Diodote va gagner. Ben oui. C'est logique. En plus, il a gagné. Oui, donc voilà, nous pouvons en parler. Hein. Hey, salut meuf. Hey, t'as pas vu la nouvelle vidéo de Cyprien? Traille, elle est trop bien meuf. Déjà, on dit pas rail, on dit c'était super. Ok? Alors, tu vois, donc j'ai regardé un film de philosophie, c'était archi bien. Donc, il y avait Steven Spielberg. Et donc, 2 heures plus tard... Et donc il y avait Hayden Christensen qui joue dans Star Wars. Star Wars c'est trop bien. Et Dieu dort. Réveille-toi. Tu calmes pas. Les gens très violents. Alors oui, bonjour, aujourd'hui sur TV, voilà, je vais lui offrir un petit bouquet de fleurs à cette fille toute seule. Voilà, tiens. Merci. J'ai oublié mon livre de maths. Voilà. C'est trop bon, j'ai mangé de bien. Voilà, alors on se retrouve avec les intellos.